Bonjour à tous. Donc, nous sommes dans notre troisième session de notre journée thématique en visioconférence sur la démocratie en santé à l'épreuve du coronavirus. Donc, cette fois-ci, pour ce module, on va se demander si la pratique de l'éthique en période de crise peut être assimilée à une pratique de concertation ou à une pratique démocratique dans les services et dans les établissements. Donc, nous sommes en compagnie d'Alexia Jolivet, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication, et spécialiste des comités d'éthique à l'Université Paris-Saclay. Donc, elle s'est occupée pendant très longtemps de l'Observatoire de l'espace éthique Île-de-France, l'Observatoire des pratiques éthiques. Et donc, pour resituer un petit peu les enjeux, je dirais que la pratique de la réflexion éthique partagée, hein, la concertation dans les établissements, est apparue comme centrale dans la résilience des équipes et dans le soutien aux soignants et dans l'aide à la décision, notamment en réanimation, on l'a vu. Donc, le CCNE a recommandé de créer des cellules éthiques de soutien qui ont pris différentes formes, des numéros dédiés, des rendez-vous journaliers. Il y a eu des systèmes de saisine auprès des espaces éthiques régionaux et bien d'autres systèmes encore, puisque chaque établissement médico-social, chaque établissement hospitalier et même chaque espace éthique a conçu son système de cellules éthiques de soutien un peu différemment. Donc, au-delà du respect vraiment des protocoles et des pratiques déontologiques, des pratiques professionnelles, les pratiques de l'éthique en période de crise nous interrogent sur l'organisation des équipes de soins et des pratiques professionnelles. Et on va s'interroger pour voir si finalement cette médiation horizontale, est-ce qu'elle n'est pas plus efficace en cas de crise pour privilégier l'adaptation rapide des équipes. On se demandera aussi si les pratiques de concertation, ces pratiques-là, hein, peuvent être assimilées à une pratique démocratique. Alors, première question, Alexia Jolivet. Durant la crise, vous dites, hein, dans un article récent qu'on est passé d'un modèle de communication qui est traditionnellement vertical et qui montre ses limites à un modèle de médiation beaucoup plus horizontal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce passage de la communication verticale à la médiation horizontale? Oui, alors en fait, ce que l'on a pu voir quand on a regardé un peu l'évolution de la gestion du coronavirus, c'est qu'il y avait eu deux mouvements, deux tempos différents. Et bon, il faut évidemment prendre avec précaution cette analyse, puisqu'il nous faudrait un petit peu plus de distance, mais on va dire qu'avec une analyse à chaud, on peut dire qu'il y a eu deux temps. Et pour éclairer ces deux temps, je propose d'utiliser une grille d'analyse présentée par Jean Davalon, qui est un chercheur en sciences de l'information et de la communication, autour de la médiation. Et sa grille d'analyse distingue deux modèles de médiation qui reposent sur deux formats de communication, une communication verticale et une communication horizontale. Avant juste de développer ces deux modèles, pourquoi la notion de médiation était particulièrement importante dans le cas du coronavirus? Il me semble parce que, en fait, derrière le terme médiation, vous avez deux acceptions. La première, en fait, la médiation, c'est ce qui joue le rôle d'intermédiaire. Donc, ça peut être pris dans un sens large, hein, c'est-à-dire faire l'interface entre deux univers étrangers. Donc, par exemple, la médiation culturelle, la médiation scientifique relèvent de cette acception-là. Et vous avez aussi, quand on parle de médiation, c'est le premier sens du terme, vous avez la notion d'entremise, de conciliation, voire de réconciliation. Et il me semble que dans le cas du Covid, on va avoir les deux temps, hein, les deux modèles, mais justement, il me semble que le deuxième modèle, celui de la médiation horizontale, renvoyait plus à une volonté de conciliation, de réconciliation et de rapprochement. Parce que derrière la notion de médiation, vous avez toujours un mouvement de séparation qu'on essaie d'endiguer, de contrer. Et donc, c'est ce rapprochement. Et il me semble que le passage du modèle 1 au modèle 2 relevait justement de ce mouvement de conciliation et de rapprochement. Et ce mouvement était peut-être un peu moins présent dans le modèle 1. Alors, si je dresse rapidement les portraits de ces deux modèles, le premier modèle, en fait, il s'appuie sur une vision transmissive de la communication. Donc, c'est l'idée que la médiation repose sur une transmission de l'information. Quand on regarde ce modèle de plus près, en fait, on voit il va soulever deux gros types de questionnements. Le premier, c'est la question des codes. Comment faire pour que le code de celui qui envoie le message, l'émetteur,
entre en relation avec les codes du récepteur, donc une question d'acculturation. Et puis, il y a aussi la question de la symétrie et asymétrie, c'est-à-dire la question de l'autorité entre celui qui transmet le message et celui qui le reçoit. Et dans le cadre du Covid, il me semble qu'au premier abord, ça a été ce modèle qui a été mis en place par le gouvernement, puisqu'ils étaient dans une recherche d'acceptabilité, une recherche de consentement, et ils étaient dans cette dialectique qui était à la fois de responsabiliser tout en effrayant un petit peu. Hein. Beaucoup ont étudié le registre martial qui a été utilisé notamment par Emmanuel Macron dans ses allocutions. Et donc, d'un côté, essayer de responsabiliser, d'effrayer, et d'un autre côté, essayer de rassurer avec une approche peut-être plus paternaliste. Pardon. Donc ça, c'est une vision assez verticale de la communication, et elle peut avoir, je vais le dire rapidement, mais elle peut avoir deux écueils. D'amener une simplification de la transmission de l'information, c'est-à-dire que on va partir du principe que l'information, elle doit être simplifiée pour être accessible. Le risque est alors de faire une information en décalage avec le réel. C'est ce que l'on a pu voir, parce qu'il y a eu des frictions entre l'image homogène du patient ou l'image homogène du citoyen touché par les consignes et les consignes de protection. Et on a bien vu que selon que vous étiez une personne plus vulnérable, en situation de handicap, etc., avec une maladie chronique, évidemment, vous n'étiez pas impacté de la même manière. Sauf que la communication verticale, elle ne fait pas dans la nuance. Elle est dans l'ordre, elle est dans l'homogénéité. Et ça, c'est une première critique, puisque ça peut amener des frictions, des doutes, des contestations. Et à ce moment-là, cette médiation, elle est remise en cause. Et surtout, la problématique dans ce modèle-là, c'est qu'on projette dans l'intention communicationnelle la vision, finalement, d'un individu qui est récepteur et donc qui est soumis à l'information. Et c'est une vision limitée de l'information. On n'est pas du tout dans ce qu'on appelle en promotion de la santé la littératie. Donc la littératie, c'est le fait de donner aux gens le moyen d'accéder à l'information, mais aussi de la comprendre, de l'évaluer, ça c'est très important, et de l'utiliser. Et quand vous êtes dans une communication verticale, on accède à l'information, comprendre avec le risque de simplifier, mais l'évaluer et l'utiliser, finalement, d'une certaine manière, on enlève cette possibilité, cette capacité au récepteur. Et donc, on enlève sa compétence et sa possibilité d'agir. Et l'autre risque lié à ce premier modèle, c'est la question de l'autorité. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Dans de tels modèles, vous avez toujours une relation de symétrie, d'asymétrie, hein, de savoir, celui qui détient le savoir, qui détient le message, en général, il a une forme d'autorité. Et selon les contextes, on essaie justement de compenser cette asymétrie. Et ce que l'on a pu voir dans le cadre du Covid, c'est la démultiplication des interlocuteurs et des sources d'autorité. Ce qui a amené, beaucoup l'ont étudié, hein, à une forme de saturation ou voire à une désinformation, et surtout à une prolifération des traductions et des interprétations. Et là, ça pose une problématique dans cette verticalité autour de la question du vrai. D'autant plus que la question du vrai, elle est d'autant plus complexe dans un contexte qui est très incertain, comme on a pu en faire l'expérience. Et à ce moment-là, il me semble intéressant de reprendre un article d'un auteur qui s'appelle Burgalassi, qui avait étudié les fake news, les fake facts, et qui dit que finalement, on est plus confronté à des énoncés endoxaux. Donc, endoxal, ça vient d'Aristote, et qui nous dit que la valeur de nos vérités tient plus finalement à l'adhésion qu'elle emporte qu'au contenu. Alors, on est plus ou moins d'accord, hein, ça peut être une vision assez radicale de penser que c'est plus l'adhésion qui l'emporte que sur le contenu, que la vérité repose plus sur l'adhésion. Mais à défaut de discuter de cela, ce qui me semble important, c'est la question de l'adhésion et la question du croire, en fait. Et on a beaucoup étudier la question de la vérité au prisme du vrai, il y a aussi une question, le prisme du croire qui est important.
Et à ce moment-là, il est important pour les décideurs d'arriver à s'échapper de cette pression du dire, de savoir, et aussi être capable d'avouer qu'on ne sait pas. Donc là, c'est la relation à l'incertitude qui est importante. Donc pour finir sur ce premier modèle, le risque est finalement de réduire la communication à l'expression. Ce que cela veut dire, c'est que à ce moment-là, l'expression, c'est ne pas. Alors, je cite Dominique Volton, qui est un célèbre chercheur en sciences de l'information et de la communication, et qui nous dit que l'expression, c'est ne pas prendre le risque de l'autre. En fait, l'expression, c'est réduire la communication à une transmission, et ne pas prendre le risque de l'autre. Alors, ça pourrait être paradoxal dans le cadre du coronavirus, puisque finalement, l'autre, d'un point de vue contamination, était un risque. Mais il est important aussi de prendre ce risque de l'autre pour pouvoir aller à l'encontre de cette gestion du virus, à l'encontre de ce virus. Parce que si vous ne prenez pas le risque de l'autre, à ce moment-là, vous tombez dans une verticalité, dans un monopole de la parole et dans l'illusion, finalement, qu'il y a un consensus, une unanimité. À l'inverse, le deuxième modèle, celui de la communication et donc de la médiation horizontale, va prendre ce risque de l'autre et va développer une approche beaucoup plus relationnelle de la communication, puisque dans cette idée, le plus important, c'est le lien social qui va se créer par la communication. Et le lien social va être plus important que le message lui-même. Et c'est là qu'on a un basculement, un glissement. Et il me semble que par rapport à ce que vous évoquiez, Sébastien, par rapport aux différents appels qu'il y a eu, finalement, les différentes initiatives locales, de dons, de sites internet, de mise en réseau, relevaient en fait de cette dynamique-là. Et donc, il y avait vraiment cet appel à une forme de résilience. Peut-être que Sébastien pourrait développer là-dessus, puisque c'est un terme que vous connaissez bien et que vous maniez bien. Mais donc, il y avait cette envie et cet appel et cette revendication même de ne pas seulement protéger la société, mais de faire société d'une autre manière. Et donc, qu'est-ce qui se joue avec ce modèle de la médiation horizontale? Il me semble qu'il se joue deux choses. Le premier, c'est ce qu'on appelle une culture de l'attention. Alors, je traduis les mots de Sébastien qui animent cet entretien, mais c'est une notion importante, celle de l'attention. Donc, Sébastien nous dit que peut-être dans ce modèle, ce qui est moins important, c'est de capter l'attention, mais plutôt de cultiver l'attention à l'autre. Et en effet, quand on regarde la notion d'attention, finalement, vous voyez que, en fait, l'attention, ça peut être à la fois, en termes d'acception, une injonction d'appliquer. Quand on vous dit suivre avec attention telle ou telle consigne, et là, on est dans la communication verticale, à ce moment-là, si on vous dit de suivre avec attention, il n'y a pas de réflexivité, il n'y a pas d'écart possible, il n'y a pas de rupture possible. Vous êtes dans l'application. Mais l'attention, c'est aussi cette vigilance à l'autre, prévenante. Quand on fait attention à quelqu'un, quand on prend soin de quelqu'un, et là, à ce moment-là, on vous permet cet esprit critique et cette précaution analytique plutôt, être dans l'analyse. Et c'est ça qui est important dans la médiation horizontale. C'est ce que l'on vous permet, c'est quel statut on acte par rapport à vous. Et donc, deuxième élément, la médiation horizontale, elle est importante parce que, si je reprends une expression que j'aime bien, une définition que j'aime bien de Bernard Lamizé, il dit que la médiation horizontale nous permet de voir que la société existe parce que chacun de ses membres a conscience d'une relation entre sa propre existence et l'existence de la communauté. Et c'est ça qui se joue finalement, c'est ça qui s'est joué lorsque les associations elles sont allées à la rencontre plutôt des patients, des citoyens. C'était de redonner finalement une position de dialogue, de concertation, et donc redonner une certaine finesse, une granularité par rapport à ça. Alors ça peut être problématique, ça peut soulever des problématiques, parce que le côté intermédiaire, cette intermédiarité qui se crée, cette conciliation qui est en train de se créer aussi, on est en plein dans la médiation, ça amène des traductions. Il s'agit à la fois de traduire les injonctions verticales, les injonctions globales, pour les adapter à la singularité, mais aussi à l'inverse, revendiquer la singularité pour que le global la prenne en compte. Et tout ça, ça peut créer des culpabilités. Est-ce que l'on a
droit de le faire? Est-ce qu'on peut se permettre de faire ceci ou de faire cela? Ça peut créer des clivages, mais ça peut aussi créer de l'inventivité, du bricolage. Et ça peut créer une certaine souplesse. Donc, c'est ça qui est important dans ce modèle-là, il me semble, c'est la finesse, la granularité et la souplesse que cela permet. Dernier point, la problématique par rapport à ce modèle de la médiation horizontale, on l'évoquera peut-être par la suite, c'est le temps. C'est-à-dire que la médiation horizontale, elle suppose, comme je l'ai indiqué, le risque de l'autre, la prise en compte de l'autre. Et la prise en compte de l'autre, c'est prendre en compte les désaccords. Est-ce que l'on a le temps de prendre en compte ces désaccords? Est-ce que le temps du désaccord est petit et en cohérence? Est-ce qu'il est, il peut être concilié avec le temps de la pandémie? Donc voilà, en fait, on a deux modèles. Ces modèles, il ne s'agirait pas de les opposer. Ils ont tous les deux, ils répondent tous deux à des nécessités. Si on avait un peu plus de nuances, on pourrait aussi voir de l'horizontalité dans la verticalité et de la verticalité dans l'horizontalité. Mais ce qui est important, c'est de voir, c'est surtout d'être à l'écoute des acteurs qui font appel à ces modèles et de comprendre comment on est passé finalement d'une asymétrie informationnelle verticale à une forme de mobilisation communicationnelle plus horizontale. Et à ce moment-là, ça nous amène à essayer de comprendre finalement les enjeux des intentions communicationnelles qui sont derrière tout cela, et à ce moment-là à construire peut-être une éthique de cette communication avec des principes assez classiques mais importants dans notre cas, des principes de transparence, d'accessibilité et de reconnaissance de l'autre. Et donc l'acceptabilité, c'est pas seulement faire en sorte que les gens adhèrent, mais c'est aussi reconnaître le droit de chacun, la capacité à chacun de performer son lien à l'autre, en fait, ce que fait la médiation horizontale. Merci Alexia. Effectivement, après, on pourrait creuser autour de notions comme la reliance. Hein. Vous le disiez, c'est une notion à la fois sociologique et puis qui a été développée après par le philosophe Edgar Morin. Alors, on ne va pas avoir le temps de le faire pour le moment, parce qu'il faudrait bien définir le mot et puis voir à quoi il peut servir, à quoi peut servir ce concept. Mais effectivement, pour les personnes qui nous regardent, vous pouvez vous intéresser à ces idées développées par le sociologue Marcel Boldebal et puis ensuite, notamment dans la méthode 6 d'Edgar Morin, dans son livre La méthode, le tome 6. Alexia, cette pratique donc, que vous venez de définir de la médiation horizontale, maintenant, si on parle des comités éthiques, comités de réflexion éthique dans les établissements, est-ce qu'on peut se dire que la réflexion éthique relève de cette médiation horizontale et se demander comment se prennent les décisions dans les services? Alors, ça vaut pour le coronavirus et puis ça vaut de manière plus générale dans les situations habituelles, hein, en temps normal. Oui. Je répondrai à l'affirmative à votre question et pour répondre je commencerai par une inversion pour compliquer les choses. Si je pars justement de cette notion de médiation horizontale, comme je vous l'ai dit, ça relève de la reconnaissance de son lien à l'autre et donc en fait ça relève d'une prise de conscience de l'autre et aussi d'une problématisation de ma relation avec l'autre. Donc ça équivaut en finalité à se questionner. Et ces questions, en fait, ça peut être les questions autour de que dois-je faire, que dois-je penser, questionner le cadre qui régit mon existence et le cadre qui régit mon lien avec les autres. Et vous voyez où je veux en venir, ce que je veux dire, c'est que finalement, la médiation horizontale, il me semble, implique forcément une posture éthique, un questionnement éthique, parce qu'elle pose les questions autour de notre positionnement à l'autre. En fait. Alors, pour répondre plus dans le sens de votre question, est-ce que les structures éthiques mettent en place ou relèvent de la médiation horizontale? Je dirais que oui, dans la mesure où les structures éthiques mettent en place des principes qui régissent d'ailleurs leur fonctionnement, qui relèvent de cette médiation horizontale, on va les développer un petit peu, mais qui vont permettre cette plasticité que j'évoquais, qui vont permettre de prendre en compte la complexité, la granularité, et créer une co-construction. Donc, oui, je répondrai positivement à cette question.
Alors, si on essaie de comprendre les principes qui régissent les fonctionnements de ces structures éthiques et comprendre comment elles s'organisent, en fait, on se rend compte que beaucoup de structures éthiques se sont construites sur ce qu'on appelle l'éthique de la discussion, qui est développée par Habermas, et sur en fait une éthique avec l'originalité que l'éthique repose moins dans le contenu que dans le processus de discussion, de délibération. Le but de la structure éthique, c'est d'atteindre ce que Mouilly appelle un préférable partageable. Un préférable au sens où l'aboutissement, les résultats de la discussion relèvent d'une argumentation, et partageable parce que cette argumentation, elle va être respectueuse de la pluralité des positionnements. Donc l'éthique de la discussion, quels sont les principes qu'elle met en acte? Je ne vais pas tous les citer, je vais citer les principaux. Le premier, c'est la légitimité de tout un chacun à prendre la parole. Donc, dans le cadre des structures éthiques, dans le domaine du soin, de la santé ou du social, vous avez en général de multiples professions qui sont au quotidien de pratiques marquées par une certaine hiérarchie. Un infirmier n'est pas une secrétaire, n'est pas un aide-soignant, n'est pas un médecin. Mais dans le cadre de ces structures éthiques, l'idéal, puisque cela peut être compliqué à mettre en place, l'idéal est que ces asymétries disparaissent. Et donc, la première revendication, c'est que tout le monde peut prendre la parole. Et tout le monde, la voix de chacun est égale à tous les autres. L'autre élément, c'est donc qu'il y a une non-domination entre les personnes, qu'on va promouvoir une forme d'intersubjectivité. Alors, l'intersubjectivité, c'est un terme compliqué, mais qui veut dire que l'on va faire attention à la subjectivité de l'autre, donc on va être dans l'écoute. Et cette écoute, notamment, elle repose aussi sur une intercompréhension, donc faire en sorte que les arguments soient clairs et accessibles par tous. Enfin, la notion de pluridisciplinarité est importante et même cruciale parce qu'elle est nécessaire pour comprendre la complexité des situations, pour avoir un éclairage qui est multiple et pour amener à cette élucidation collective des pratiques. Bon, il y a d'autres principes comme la sincérité, la transparence, la responsabilité, mais tout ça pour dire que finalement, ces structures éthiques, elles sont assez particulières dans le cadre d'une organisation, notamment et particulièrement dans le domaine de la santé, dans la mesure où c'est des lieux, finalement, où premièrement, on va privilégier la pensée. On ne va pas être dans un groupe de décisionnel. On est là pour asséner des vérités ou prendre des décisions qui amèneront à des lignes directrices. Non, on va être dans une autorisation de la pensée. On va prendre le temps de penser. On va être dans la distance. On va être dans la réflexion et non dans l'urgence, ce qui peut questionner dans le cadre du Covid. Et puis, on est aussi dans la déconstruction. Alors que tous les mouvements, toutes les normes, toutes les procédures qui régissent le fonctionnement d'une organisation relèvent plus de la fixation. Donc, de ce point de vue, finalement, ces structures éthiques, elles développent des formes de souplesse, de plasticité. Elles vont être dans une optique de délibération et non pas dans une optique de régulation. Et en cela, elles se rapprochent du modèle de la médiation horizontale, en effet, et moins du modèle de numéro 1 autour de la verticalité. Ah, je suis de retour. Moi, ce qui m'a marqué là, dans ce que vous nous dites, c'est que dans les comités d'éthique, on privilégie la pensée, on prend le temps de la réflexion, on s'autorise la pensée plus que finalement le protocole, quoi, la prise de décision un petit peu automatisée, on va dire. Or, on a critiqué, certaines personnes ont critiqué cette pratique de l'éthique, là, ces cellules éthiques de soutien pendant la crise, en disant, mais ce dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas de réfléchir au cas des patients, ce n'est pas de remettre en cause les protocoles. Nous, ce qu'on veut, c'est une application stricte des règles déontologiques et de protocoles. Or, ce qu'on a vu, nous, à travers notre observatoire COVID-19, éthique et société à l'espace éthique,
c'est à quel point ces cellules éthiques de soutien ont permis justement hein, de soutenir les équipes, de leur permettre de réfléchir, de leur permettre surtout de réfléchir à des cas qui ne sont pas très clairement définis par les protocoles, justement. Et la question que j'aimerais vous poser, en tout cas, c'est est-ce qu'on peut dire que finalement cette médiation horizontale, même si on a l'impression que c'est plus lent, c'est plus compliqué en termes de processus et de méthodologie, est-ce que ce n'est pas finalement en complément de la déontologie et des protocoles, hein, bien sûr, est-ce que ça ne permet pas de rendre les équipes plus efficaces et résilientes ? Oui, il me semble que on ne gagnerait à rien d'opposer ces deux visions. La complémentarité me semble essentielle, c'est-à-dire que en effet, la déontologie est nécessaire parce qu'il nous faut un cadre, il nous faut des normes d'action, sinon nous serions dans le chaos, dans l'anarchie. Donc il faut forcément des cadres. Par contre, partir du principe qu'une simple application suffit, c'est avoir une vision assez restrictive et même illusoire des réalités, puisque l'on sait que que le cadre, le protocole, la norme est insuffisant à capter et à endiguer le réel. Il y a toujours un écart entre le cadre et les réalités. Et c'est cette friction entre le global, l'homogénéité et la singularité que, il me semble, les structures éthiques essaient de compenser et essaient de questionner. Et donc, en effet, on pourrait penser de premier abord que les structures éthiques, dans le cadre de pandémie, dans le cadre de l'urgence, ne sont pas les plus pertinentes parce que, finalement, comme on a pu le voir, si on part du principe que ces structures éthiques relèvent d'une forme de médiation horizontale, elles mettent en jeu, en fait, un temps du dialogue et un temps de la traduction. Et ces temps-là, de prime abord, ils ne peuvent pas aller dans le sens d'une forme de résilience rapide, réactive, puisque la réactivité ne prend pas forcément le temps du dialogue et ne prend pas le temps de la traduction. On est dans l'application. Donc, de premier abord, oui, on pourrait penser que ce n'est pas le dispositif le plus pertinent. Mais il me semble que tout dépend ce qu'on recherche dans cette efficacité. Si on est dans la réactivité ou, on va dire, la maximisation des résultats avec, par rapport à un certain nombre de moyens, oui, les structures éthiques seront peut-être les dispositifs qu'il faudra mobiliser de manière secondaire. Mais je pense que y a deux éléments qui nous poussent à encourager à la création et à la mobilisation des structures éthiques. Le premier élément, c'est qu'il nous faut, à mon avis, changer notre vision d'efficacité et ne pas penser que l'efficacité n'est que la réactivité. Au contraire, parce que, alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être dans la réactivité quand on est dans une situation d'urgence. De toute façon, la situation d'urgence nous met aussi à l'épreuve et nous demande d'être réactifs. Mais l'efficacité, c'est aussi la pertinence. Et la pertinence, c'est la capacité à appréhender le réel. Sauf que si vous avez des cadres qui sont insuffisants, surtout dans une situation extraordinaire, donc qui sort de l'ordinaire, à ce moment-là, vous devez avoir cette vigilance pour arriver à saisir le réel dans sa complexité. Et on vient de voir que les structures éthiques apparaissent les plus précieuses pour gérer cette capacité à comprendre la complexité de ce qui se joue. Donc, du point de vue de l'efficacité, je répondrai que pour moi, les structures éthiques sont des plus efficaces, mais tout dépend de ce qu'on appelle l'efficacité. Et autre élément, mais il me semble qu'il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de voir ce qui a pu être réalisé ces derniers mois et de se rendre compte de la capacité et finalement de la résilience assez exceptionnelle des différents acteurs, hein. Alors aussi bien la société civile que les associations, que aussi le gouvernement, hein, ou l'ensemble des acteurs. Évidemment, on pourra questionner certains écueils ou certains fonctionnements, mais quand même, il y a eu une réponse
qui a été faite. Et cette mobilisation de la société, elle nous montre que dans le cadre de l'urgence, on arrive à mettre en place une réflexion éthique, parce que cette mobilisation de la société, de mettre en réseau des gens qui peuvent aider, des gens qui en ont besoin, relève, à mon avis, ont relevé de questionnements éthiques. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se joue? Comment puis-je revendiquer, appuyer des valeurs qui sont en train de se perdre? Comment reconstruire mon lien à l'autre? Tout ça, c'est des postures éthiques. Et la situation, ces trois derniers mois, nous montre que les acteurs ont été capables de mettre en place cela. Et donc, il peut avoir, d'une certaine manière, une forme d'éthique de situation, mais aussi une forme de médiation horizontale de situation, et donc qui nous prouve que la réflexion éthique, certes, elle peut avoir besoin d'une certaine distance, et je pense qu'en fait, il faut considérer l'éthique dans ses tempos, dans ses temps. Et comme il peut avoir une éthique, on va dire, de l'urgence, il peut avoir une éthique de situation. Et puis, dans quelques mois, nous serons capables d'avoir un retour, de reprendre une distance par rapport à ce qui s'est joué. Mais du point de vue efficacité, il me semble que les situations nous ont montré que les acteurs étaient capables d'être efficaces, même au sens de réactivité, et par le biais d'une réflexion éthique. Donc, il ne s'agit pas d'opposer. Ce sont des logiques différentes, complémentaires. Oui, je répondrai que ces structures éthiques sont efficaces en temps de crise et même impératives. Merci. Effectivement, entre la règle et son application, on voit qu'il y a toujours une certaine distance. Hein, on le voit, hein, il y a le code civil, il y a la loi et puis il y a la jurisprudence, la manière dont on l'applique. De la même façon, en sciences politiques, on dit il y a la Constitution, et puis il y a les articles de la Constitution, l'esprit de la Constitution. On peut respecter la Constitution à la lettre en violant l'esprit de la Constitution. Et puis la même Constitution, on peut l'appliquer de manière très différente. C'est ce qu'on étudie effectivement en histoire ou en sciences politiques. On voit qu'il y a des glissements qui se font. Donc effectivement, et on pourrait se dire, cette interprétation de la règle, cette distance entre la règle et son application, ben finalement, c'est le milieu de vie de l'éthique. C'est ce que tu appelles, ce que vous appelez, hein, l'éthique de situation. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on applique la règle. C'est-à-dire, l'éthique, enfin, on le dit souvent, vous avez dû l'entendre souvent dans les cours de l'espace éthique, hein, pour les étudiants, mais c'est le questionnement autour des normes. C'est le questionnement des normes, et non pas le respect pur et simple des normes. Donc voilà, là on est vraiment au cœur de la question de ce que c'est que l'éthique et de comment elle peut, de la manière dont elle peut s'exprimer en temps de crise. Voilà. Après on pourrait discuter de ça longuement et on le fera à la suite quand on pourra se revoir en physiquement, je dirais, dans une salle. Moi j'aimerais ensuite, par rapport à cette thématique qu'on a aujourd'hui sur la démocratie en santé à l'épreuve du coronavirus, vous parliez des principes de l'éthique de la discussion qui sont inspirés effectivement par Habermas, hein, et puis il y en a eu d'autres, et ses disciples, entre guillemets, la légitimité de chacun à prendre la parole, la pluridisciplinarité, l'intersubjectivité. Cette pratique de l'éthique de la discussion, effectivement, ça fait penser au fondement de la démocratie. Une personne, une voix, chacun a le droit de donner son avis. Est-ce que cette pratique, finalement, de la concertation éthique dans les services, en temps de crise et encore une fois, même en temps normal, est une facette de la démocratie en santé? Je pense que d'une certaine manière, les structures éthiques sont une manière de remettre de la démocratie alors en santé, mais aussi dans les organisations. Pourquoi ? Alors, vous venez d'évoquer les grands principes, mais puis on vient de le voir, hein, derrière la notion de la réflexion éthique, vous avez la notion de délibération, de pluralisme, avec la pluridisciplinarité, de co-construction. Et puis, il s'agit de travailler
les valeurs de l'autre pour construire une situation qui va permettre à tous de continuer ensemble, d'opérer ensemble. Et donc, en effet, les structures éthiques mettent en avant un principe de démocratie au sens où, alors j'aime bien citer cette citation de Kaenepil et Jobin, mais qui nous disent que dans les structures éthiques, c'est l'argument qui fait autorité et non l'autorité qui fait argument. Et on voit bien dans quelle mesure cet enjeu de l'argumentation est important. Et c'est important parce qu'à ce moment-là, on préjuge, on présuppose derrière cette vision-là qu'il y a un acteur qui est capable et compétent. Et se dresse la figure d'un acteur capable et compétent. Et de ce point de vue-là, c'est important et cela relève, il me semble, d'une forme de démocratie en santé. Si je me permets un questionnement un petit peu plus particulier autour, mais alors là vraiment très pratico-pratique autour des structures éthiques, il y a un questionnement, si on reprend un peu cette analogie avec la démocratie, c'est la question de la représentativité. Est-ce que dans les structures éthiques, on est dans une forme de démocratie directe ou dans une forme de démocratie représentative? C'est un questionnement qui se pose souvent dans les structures et ce n'est pas un questionnement si anodin qui est de savoir est-ce que lors de des échanges, lors des réunions, est-ce que l'ensemble des professions doivent être présentes et est-ce que l'on va être dans une forme de fonctionnement qui repose sur la représentativité, donc une place égale une profession, de façon à ce qu'il y ait un pluralisme assuré. Ou au contraire, est-ce que l'on va être dans l'ouverture, dans l'inclusion générale, on va dire, et donc dans la volonté d'accepter, d'accueillir tout un chacun, toute personne qui souhaitera participer. Donc ça, les structures éthiques répondent à ce questionnement de manière différente. Certains vont jouer plus sur la représentativité, d'autres sur l'ouverture, certains même instaurent des numerus clausus. Mais ce questionnement-là, il est capital parce que derrière cela se joue la question de l'inclusion et de l'exclusion. Qui est à même, qui peut participer à la discussion éthique? Et selon vous choisissiez telle ou telle configuration, vous ne mettez pas en jeu les mêmes modalités. Il se pose également la question de la présence de la direction. Je suis très pratico-pratique, mais c'est pour être un peu parlant et concret. Est-ce que la direction doit être présente si on représente l'ensemble des professions? Et on sait que cela peut avoir des incidences sur l'animation ou la circulation d'informations. Hein. Si vous avez votre directeur en face de vous, vous n'allez peut-être pas vous comporter ou pouvoir vous exprimer de la même manière que s'il n'était pas là. Il y a également une problématique de représentation. Et là, cette problématique, elle touche beaucoup plus les acteurs tels que les représentants des usagers ou les représentants de religion. Parce que si on est dans la représentativité et si sont présents des représentants des usagers, il y a une crainte de la part des professionnels de santé ou de soins que l'on rentre dans la revendication. Et c'est-à-dire que chacun finalement représente et défend une place, une position, un positionnement. Et la crainte de tomber dans la revendication, c'est la crainte que l'on ne soit plus dans l'écoute, mais plutôt dans la défense. Voilà, donc la question de la représentativité est aussi assez importante au sein des structures éthiques, mais il me semble que ces structures sont assez complémentaires de structures comme les structures de médiation ou les structures au sein des instances qui permettent de recueillir les contestations ou voire les plaintes des patients notamment. Et là où les structures éthiques sont intéressantes, c'est qu'elles vont offrir finalement, normalement, un lieu serein, neutre, et pour la délibération, pour l'échange, sans qu'il y ait un enjeu qui pointe derrière, qui est celui de trancher, de décider, puisque ce qui
caractériser aussi certaines structures éthiques, alors ça dépend des structures, c'est la volonté de ne pas trancher, mais juste d'éclairer. Et c'est en fait des temps de respiration qui sont assez importants et utiles pour ce développement de la démocratie en santé. Donc pour moi, ces structures éthiques sont une manière d'insérer de la démocratie en santé ou de la démocratie au sein de l'organisation, au travail. Effectivement, ces comités d'éthique, vous le disiez bien, ils arrivent en complément. Voilà, quelle est leur place dans l'organigramme et puis quelle est leur place dans, entre guillemets, les corps intermédiaires, hein, des établissements, le CVS, il y a le comité d'éthique, dans des établissements hospitaliers, il y a les groupes d'usagers avec des représentations d'associatifs, la CNSA et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, effectivement, là, on voit que le comité d'éthique dans l'établissement, ben, finalement, il est dans une démarche de démocratie en santé qui est, je dirais comme ça, à première vue, peut-être, qui relève peut-être de la démocratie en entreprise. C'est une question. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question-là ? Au sens où ça relèverait de mettre en place un peu plus de démocratie au sein de l'organisation, de l'entreprise, c'est ben, ça ? Dans le sens où ça mettrait plus de démocratie dans l'organisation, dans le sens où moi, je pense, hein, mais c'est ma conviction pour le coup, que quand on est uniquement dans le protocole et dans le faire, sans se poser la question de ce qu'on fait, c'est là qu'il y a les plus grandes dérives qui surviennent. On est dans la raison instrumentale, c'est-à-dire qu'on se demande comment on va le faire et on ne se demande plus pourquoi on le fait. Et c'est ça la question fondamentale. C'est pas uniquement comment je vais accomplir au mieux mes missions, mais c'est quelles sont ces missions, pourquoi je les fais de cette manière-là, et puis s'interroger même sur des choses du quotidien. Tiens, pourquoi quand j'entre dans une chambre d'EHPAD, pourquoi est-ce que instinctivement je toque pas à la porte ? Pourquoi je dis pas bonjour ? Ça peut vraiment être des choses très très fines comme ça. Et ça peut aller de la granularité la plus fine jusqu'à des questions d'organisation et des questions d'objectifs même de notre activité. Et finalement, je me dis que peut-être ces comités d'éthique, mais c'est à vous de nous dire, avec votre expérience de l'Observatoire notamment, sont peut-être des moments aussi où on se pose cette question du pourquoi. Et pour moi, se poser cette question du pourquoi, c'est déjà, et puis après du comment, hein, de la méthode, de comment on travaille ensemble, c'est une première étape d'une démarche qui relèverait de la démocratie en entreprise, de se dire vers quel objectif on tend dans notre activité quotidienne, collectivement. Je vous rejoins tout à fait et je compléterai justement en soulignant que ça, ce qui est l'objectif, hein, il me semble que c'est vraiment la finalité, l'intention de ces structures, dans leur impact, dans ce qu'elles peuvent faire, et en fait aussi la peur d'achoppement. C'est-à-dire, c'est l'élément le plus... C'est là où le bât blesse d'une certaine manière avec les structures éthiques, c'est cette difficulté à pouvoir être porteur d'une vision démocratique, en effet, mais qui s'essouffle. Alors, si je me permets de développer ce point un petit peu pour comprendre pourquoi cette forme d'insertion de la démocratie au travail, elle est difficile, et finalement... Pourquoi se questionner sur le travail n'est pas si simple. Je donnerai en fait deux raisons. La première difficulté, plus ontologique, on va dire, réside dans le fait que déjà l'éthique et organisation ensemble, a priori, de premier abord, ce n'est pas fait pour être ensemble. Parce que l'éthique, on a insisté dessus, c'est la possibilité de questionner des valeurs, questionner et donc d'être d'une certaine manière libre, autonome dans sa pensée. Or, l'organisation, dans ce qu'elle est, surtout l'organisation au travail et l'organisation en santé, elle représente une forme globalisante, une forme de contrôle, et donc ces deux mouvements, si je suis rapide, entrent en friction.
Donc, de premier abord, on pourrait croire que l'éthique est en fait rétive à toute forme d'institutionnalisation dans une organisation. Et donc, c'est toute la difficulté de ces structures éthiques, hein, d'essayer de revendiquer une possibilité d'existence dans un contexte qui, a priori, n'est pas propice à cela. Mais cette institutionnalisation, elle est nécessaire, notamment parce que sinon, ces structures perdraient en légitimité. Mais donc il y a une première difficulté ontologique, et la deuxième difficulté, je dirais qu'elle repose sur l'impact, la capacité finalement de l'éthique à faire bouger l'organisation. C'est-à-dire que on peut se demander, oui, d'accord, on met en place une forme de démocratie au sein de l'organisation, mais quel est son impact, quelle est son influence? Est-ce que cette éthique, elle arrive à déstabiliser l'organisation? Est-ce qu'elle arrive à faire bouger les choses? Et sur ce point-là, mon expérience m'amènerait à être un peu mitigée, au sens où, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a en effet des échanges très riches, très fructueux sur les pratiques. Et ce qui se joue, il me semble, si on regarde, et là c'est vraiment une approche sociologie de l'organisation, mais ce qui se joue dans ces instances d'échange, c'est finalement la possibilité de prendre sur soi collectivement. Alors, prendre sur soi, c'est un concept que je prends de Marianne Dujarrier, qui est sociologue, qui a étudié notamment le travail des cadres dans le domaine de la santé. Et elle dit que les cadres, mais je pense que c'est général, hein, ça peut être appliqué à beaucoup de professions et à beaucoup de statuts, sont dans un dilemme, ce qui amène aussi au burn-out par exemple, de prendre sur soi. C'est-à-dire que l'organisation promeut un idéal, que de plus en plus les injonctions, les objectifs de résultats que l'on communique aux acteurs, en fait, relève d'un idéal. Et tout le travail, en plus du travail classique que l'on doit faire, tout le travail des acteurs, c'est de dissimuler cet écart de la réalité par rapport à l'idéal, puisque c'est un idéal, il est évidemment difficile de l'atteindre. Et donc, on va prendre sur soi cet écart, cet interstice. Et du coup, vous vous doutez bien que prendre sur soi, c'est un fardeau psychologique, physique, et ce qui peut amener aussi à un burn-out. Et il me semble qu'avec les structures éthiques, finalement, prendre sur soi devient un collectif. C'est-à-dire qu'en discutant, en échangeant, on questionne ensemble cet écart-là. Et d'une certaine manière, ce n'est plus une démarche qui est dissimulée, mais c'est une démarche qui est acceptée, et ça, c'est important. Mais indépendamment de ce qui se joue dans le processus, quel est l'impact? Et en fait, on se rend compte que le pouvoir communicationnel de ces instances reste encore limité. Limité parce que je dirais que c'est aussi le revers de la médaille d'être une instance qui n'est pas décisionnelle, c'est que vous n'avez pas de coût. En fait, vous n'avez pas de poids d'une certaine manière, vous ne coûtez pas de l'argent, vous n'en rapportez pas et vous ne prenez pas de décision, ce qui sont quand même des éléments très importants au sein d'une organisation, vu le modèle dans lequel on vit. Et donc, il y a une portée limitée de cette capacité à porter la démocratie dans le travail, et cette portée, elle est limitée. Pourquoi ? Parce que finalement, ça reviendrait à faire de l'organisation ce que du côté de Lille, ils appellent un environnement capacitant. À l'université de Lille, enfin, Lille et de Louvain, en fait, il y a deux laboratoires en éthique qui développent ce qu'on appelle l'éthique pragmatique. Et en fait, ils insistent sur la nécessité, certes, de rendre les gens compétents en éthique, par exemple, donc être capable de discerner une problématique éthique. Mais cette compétence, elle est infructueuse si l'environnement, donc si l'organisation n'est pas capable d'être capacitante, donc de porter ses acteurs. Et en fait, tout ce jeu qui de conscientisation,
d'autonomisation, de responsabilisation des acteurs qui se déploient dans les structures éthiques et qui est très important. C'est ce qui permet l'émancipation. Pourquoi une organisation l'appuierait ? De premier abord, elle n'a pas raison de l'appuyer parce que si vous voulez, ce genre de structure permet aux acteurs de s'émanciper. Donc, elles permettent aux acteurs de questionner le cadre, en fait. Elles permettent de questionner le système. Est-ce que le système est à même, est-ce qu'il veut qu'on le questionne ? Et c'est ça toute la difficulté de cette approche démocratique du travail, d'une certaine manière. C'est parce qu'elle suppose de faire de l'organisation un environnement capacitant, de développer un management coopératif et participatif, et donc finalement de créer une certaine flexibilité à la fois du côté de l'individu hein, à qui on demande de réfléchir, mais aussi du côté de l'organisation. Et d'une certaine manière, cette éthique, ce qui est important, c'est certes de comprendre comment elle peut faire sa place au sein du système, mais c'est aussi comprendre comment elle va collaborer au changement du système. Et c'est cette deuxième étape qui me semble difficilement en acte de nos jours. Et finalement, c'est aussi ça l'enjeu de cette démocratie, c'est que la démocratie, il faut qu'elle dépasse le stade de la délibération. La démocratie, c'est aller au-delà de la délibération, c'est s'engager, peut-être très pragmatiquement, mais aussi dans l'action. Et il me semble que les structures éthiques, elles portent l'aspect délibératif de la démocratie, mais il faut encore passer à un stade nouveau qui est celui de l'engagement, permettre aux individus de s'engager, et ça, seule l'organisation est capable de le faire. Mais, comme je viens de l'indiquer, ce n'est pas évident, puisque ça demande à l'organisation d'accepter qu'elle puisse être questionnée. Donc, on est dans une forme d'impasse, impasse parce que ce fonctionnement, on voit actuellement avec les revendications qu'il y a eu, notamment au sein des hôpitaux, avec les grèves, et en fait, cette impasse, c'est une impasse parce qu'elle demande de questionner les logiques actuelles de gouvernance du système de santé. Et l'on sait que ce n'est pas évident et que donc, les structures éthiques, elles mettent de la démocratie dans le travail, mais est-ce que le travail est lui-même capable d'accepter cette démocratie ? Ça, c'est finalement tout l'enjeu. Merci. Oui, alors, j'ai plusieurs remarques, hein, réflexions sur ce que vous venez de nous dire, qui est très intéressant, hein, qui vraiment met l'esprit en mouvement. Bah, tout d'abord, sur cette impasse, partons de l'impasse. Cette impasse, il faudra étudier ce qui s'est passé pendant la crise du coronavirus, hein, ça c'est certain, ces cellules éthiques de soutien, la manière dont les soignants se sont organisés, peut-être auto-organisés. En tout cas, à l'espace éthique Île-de-France, on a eu plusieurs retours dans le cadre de notre observatoire, des retours qui nous indiquent que finalement les soignants se sont davantage auto-organisés pendant cette période de crise sanitaire, et finalement ont mis aussi en place des process, des structures et des méthodes qui étaient bloquées depuis des années, dont ils ressentaient le besoin, et ils se sont dit le management est un peu moins présent, on va le faire. Ça sera à étudier par la suite très concrètement, mais on a déjà quelques informations qui vont dans ce sens-là, de la même façon dans le fait de faire tourner les tâches. C'est peut-être pas exactement le sujet de la démocratie, mais il y a cette idée, hein, quand on parle de l'égalité, hein, de la légitimité de chacun. C'est vrai que on a vu des directeurs d'établissements en EHPAD se mettre à aider les infirmières, les aides-soignantes et les animateurs, parce qu'il y avait besoin de personnes, il y avait besoin de se mobiliser. Et cette mobilisation-là, quel impact elle va avoir sur la longue durée, sur justement cette évolution des organisations. Voilà. Quand on s'est rendu compte de l'intérêt du travail de chacun, quand on s'est rendu compte que cette tâche, c'est la personne Z qui l'occupe, et je pourrais très bien l'occuper aussi. Voilà. Et ça, c'est une réflexion que je pose là, hein, et qu'il faudra probablement prolonger à l'avenir.
sur la démocratie et l'institutionnalisation, dans éthique et institutionnalisation. Bah, c'est marrant parce que c'est une question qui est beaucoup posée aussi par les penseurs de la démocratie, avec des réponses très différentes, hein. Jacques Rancière, donc le philosophe, lui, il va dire « Ah, l'éthique, c'est le moment comme ça, de fusion politique où on va remettre en cause les institutions, réfléchir à un autre avenir. Et dès que ça s'institutionnalise, bah, c'est plus de la démocratie. Voilà. » Et puis, il y a d'autres penseurs qui vont dire bah, « La démocratie, c'est justement dans l'institution qu'elle se joue, quoi, dans la représentativité. » Donc, il y a des approches qui peuvent être très différentes. Et de la même façon, en éthique, on pourrait creuser sur ce rapport entre pratique de l'éthique vivante et institutionnalisation de l'éthique. Et je pense que ces réflexions-là qui nous précèdent sur la démocratie et sur son rapport avec l'institution pourraient finalement nous aider. Enfin, il y a des ponts peut-être qu'on pourrait établir. Sur la question, le troisième point, j'en ai quatre. Donc, le troisième point sur l'éthique et la question de l'objet de l'organisation, le but, l'objectif d'une organisation. Bah, effectivement, il y a un psychiatre, Christophe Dejoux, hein, qui parle de souffrance éthique. Et la souffrance éthique, c'est l'écart que vous pointez entre ce que l'organisation affiche, ce qu'elle est censée faire, et ce qu'elle fait vraiment. Et ça, parfois, il y a un fossé énorme entre les deux. Un philosophe comme Ivan Illich parle de contre-productivité. Il va dire bah, on arrive au seuil de contre-productivité quand une structure fait le contraire de ce qu'elle est censée faire. Donc, lui, il va prendre l'exemple de l'école en disant bah, si l'école, finalement, aboutit à davantage d'ignorance ou à davantage comment dire, d'exclusion du savoir, alors à ce moment-là, elle arrive à son seuil de contre-productivité. Et c'est un horizon qui est intéressant de penser, hein, puisque finalement, c'est là aussi le lieu de l'éthique. C'est-à-dire, le lieu de l'éthique, on est là, hein, je commençais à le dire tout à l'heure, pour s'interroger aussi sur la finalité de nos actions. Et est-ce qu'on fait ce qu'on est censé faire? Est-ce que finalement, nos objectifs ne sont pas quasiment contraires à ce qu'on est censé faire quand, voilà, dans des institutions... dans certains cas en psychiatrie, dans les maisons de retraite, dans les établissements médico-sociaux pour les personnes en situation de handicap et ainsi de suite. Et on pourrait s'interroger très concrètement. Je pense que les comités d'éthique, ça permet de se réconcilier un peu aussi avec ça. Et puis, le troisième sujet, c'est la question de la compétence qui résonne aussi énormément avec cette question de la démocratie. Alors, environnement capacitant, bah, finalement, c'est un environnement démocratique, un environnement capacitant. Parce qu'on sait bien qu'on apprend à discuter en discutant, on apprend à décider en décidant, on apprend à se concerter en se concertant. Et on n'a pas un livre à lire, le livre où on aurait tous les savoirs qui nous diraient comment se concerter, comment dialoguer, comment ça n'existe pas. Donc finalement, cet environnement-là, c'est bien le cœur du sujet, quoi. Et finalement, les comités d'éthique, ben, ils se doivent quasiment nécessairement d'être un environnement capacitant, sinon ils n'ont pas lieu d'être, parce que dans ce cas-là, c'est pas une discussion d'éthique. On va voir une conférence où quelqu'un va nous dire ce qu'on est censé penser. Donc voilà un petit peu tout ce que ça m'évoque, ce que vous nous avez transmis. Voilà, vous pouvez rebondir là-dessus ou sinon on s'achemine vers notre conclusion. Pardon. Oui, il y avait plusieurs points qui étaient évoqués. Sur le premier point, alors excusez-moi, je vais tousser. Un chat dans la gorge. Donc sur le premier point, on a montré que dans des situations de crise, en fait, les codes ou les règles pouvaient être assouplis sur... Décidément, pardon, sur le fait que, par exemple, le directeur pouvait s'occuper de tâches dont il ne s'occupe pas habituellement. C'est le principe de l'exception, hein. Les situations d'exception, il y a différentes manières de s'adapter face à l'exception. Soit vous rentrez dans la rigidité, soit vous rentrez dans la souplesse. Par contre, est-ce qu'à la sortie de ce temps d'exception, nous serons capables de pouvoir
rassembler, de pouvoir apprendre, parce que en fait, dans ma réponse, en fait, et par rapport à vos quatre points, il y a la notion d'apprentissage qui revient tout le temps. C'est la capacité à apprendre, à apprendre, et surtout à se donner les possibilités d'apprendre. Et est-ce que face à cette souplesse qui a été exceptionnelle dans tous les sens du terme, est-ce que face à cette souplesse, la suite nous montrera qu'on est capable d'accepter cette souplesse, ce bricolage, cette inventivité, ou au contraire, est-ce que l'on va retomber pour des questions d'efficacité, et avec tous les questionnements derrière la notion d'efficacité qu'on a évoquée, est-ce qu'on ne va pas retomber dans la facilité, qui est de garder retomber dans les cadres, retomber dans les protocoles, c'est plus facile, c'est plus confortable, parce que ça la permet de gérer plus rapidement, plus facilement le réel. Mais on a vu aussi que ça ne permet pas d'être souple, et le réel, c'est aussi de la souplesse. Donc, pour répondre, oui, les situations d'exception amènent toujours à des dépassements, mais est-ce que l'on est capable après de tirer les leçons de ces dépassements? Ça, nous le verrons dans les prochains mois. Et sur l'institutionnalisation et éthique, institutionnalisation et démocratie, sur la remarque sur le fait que dès qu'on rentre dans l'institutionnalisation, il n'y a plus d'éthique, peut-être, mais à ce moment-là, on est aussi dans une impasse. Que faire? Qu'est-ce que l'on fait si l'on ne permet pas à l'éthique de rentrer dans l'organisation? Alors, certes, elle pourrait rentrer, l'éthique, sous une autre forme, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas institutionnalisée, qu'il n'y ait pas de structure éthique. Certes, ça serait même un idéal, et ça serait à ce moment-là ce que moi j'appelle plutôt une éthique constitutive, c'est-à-dire qu'elle serait tellement disséminée, irriguée dans les pratiques, qu'elle constituerait la pratique. Mais le chemin est encore loin, et il me semble que cette institutionnalisation, bon gré mal gré, on est obligé de passer par cette étape-là. La difficulté, c'est qu'en effet, et c'est une des difficultés que l'on rencontre quand on observe les structures éthiques, c'est que le risque est de reproduire au sein de la structure éthique l'institution. Et finalement, par exemple, que ces rôles hiérarchisés entre médecins, aides-soignants, infirmières, qui ont lieu dans le quotidien des pratiques, on retrouve ces rôles au sein de la structure lorsqu'il y a un échange. Et pour éviter cela, ça demande un apprentissage de l'éthique, ça demande une vigilance dans l'animation, et ce n'est pas évident. Et donc, une des limites ou un des écueils de ces structures, c'est que parfois elles reproduisent le système qu'elles cherchent à contrer. Et je comprends à ce moment-là que l'on puisse penser que l'institution, que l'éthique dans une institution n'est plus une éthique. Mais pour moi, ça mène à une impasse pratico-pratique. Et dernier point, peut-être sur la compétence. Oui, en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup personnellement l'approche développée par le pragmatisme, qui est de dire que l'éthique est un apprentissage et que ce qui est important, c'est d'apprendre aux différents acteurs à apprendre. Apprendre à être capable d'apprendre, si vous voulez. Et cet apprentissage, il est essentiel. Et cet apprentissage, il est important parce que, justement, il permet de nous centrer sur l'aspect situationnel et singulier de l'éthique. C'est là qu'elle est pertinente, c'est quand elle est capable de surgir face à la singularité. Et donc l'apprentissage est fondamental par rapport à cette compétence éthique. Et certes, la structure éthique est en elle-même un environnement capacitant, mais il faut aussi que l'organisation permette que cette structure éthique le soit aussi. Et être un environnement capacitant, c'est permettre à l'acteur d'être autonome, responsable, de lui permettre de réfléchir et que cette délibération ait aboutisse à quelque chose et qu'elle ne soit pas que des paroles. Donc, c'est aussi donner des moyens si on est très si on a une vision très matérialiste, mais qui est aussi importante. Donc, oui, la compétence éthique, elle est essentielle, elle peut prendre plusieurs formes. Certains vous diront que la compétence éthique, c'est la capacité à être sensible. Donc là, c'est plutôt la vision du CARE, développée aussi par Sandra Logier, on est dans le dialogique. Il y en a qui vous diront que c'est être capable de mettre en acte des vertus.
Une troisième vision, c'est de penser que c'est un apprentissage collectif. Et il me semble que les structures éthiques promeuvent cela. Et pour moi, le système ne peut évoluer que par cet apprentissage collectif. Merci beaucoup, Alexia Jolivet. On va clôturer cette session de réflexion sur la pratique de l'éthique sur ces mots. Hein. Moi, ces trois visions de l'éthique, je ne les opposerai pas nécessairement parce qu'on peut aussi apprendre à se rendre sensible collectivement. Tout à fait. Mais, c'est le jeu tue-il de Ricoeur, en fait. C'est voilà. Partir du jeu, après l'échange avec l'autre et après le rôle de l'institution. Tout à fait. Il ne s'agit pas de les opposer. Donc, sur ce, on clôture cette session. Merci beaucoup, Alexia. Et puis, avec les étudiants, on se retrouve très bientôt pour une prochaine session de notre journée sur la démocratie à l'épreuve du coronavirus. À très bientôt.